Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Together avec Damned. Salut Damned. Salut tout le monde. Et donc Damned, donc vous pouvez retrouver la vue sur la chaîne de 119 minutes, les liens sont dans la description, je le rappelle. Et on s'était quitté sur une partie un petit peu complexe et on a finalement trouvé la solution qui ne consistait pas à être à deux, il fallait juste être tout seul, mais du coup on pouvait tourner. Je vais vous montrer, hop. On pouvait tout simplement tourner en rond, revenir ici, prendre ce portique là et ainsi comme ça accéder à la manette orange. Et donc j'ai pu baisser la manette orange. C'est ça, mais une fois de plus, bon bah des fois le fait de se poser, de pas enregistrer, de pas être stressé par le temps, ça nous a permis de nous poser en quoi 5 minutes hein, à peu près, 5 bonnes minutes on l'a plié quoi. Ouais ouais, ça fait à peine 5 minutes qu'on a record, ouais, clairement. Et du coup bah normalement on a ouvert deux choses avec la orange, celle qui était derrière la manette rouge et celle qui était derrière l'enchaînement. Donc je pense qu'il va falloir qu'on passe par la manette rouge. Mais d'abord débloque moi s'il te plaît, active la manette bleue. Yes. Et voilà, et donc là du coup pour aller à la manette rouge du coup là. T'y as été ou pas encore? Alors j'y suis allé, en fait moi je suis allé à la truc orange derrière là, je suis passé. Et en fait, attends je vais te montrer, attends j'arrive. Ah merde, attends, vas-y reviens. Vas-y reviens, reviens, reviens. Non mais je vois, il y a une manette rouge qui nous bloque là-bas, donc je pense qu'il faut que... Ah bon. Ok, alors bouge pas. Là tu dois pouvoir enlever la rouge. Alors attends, avant j'arrive à un portique ici. Alors oui, mais il fallait d'abord actionner la rouge. Et bah je découvre, tu vois, j'ai même pas besoin que tu me montres. Et là on est bon. C'était facile. Easy peasy, franchement. Tout à fait. Et petit succès avec la petite musique à chaque fois qu'on termine un truc, c'est mignon. C'est ça. Bon bah c'est pas fini la zone. On est de retour dans le blizzard. Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé les mecs? Et regarde là. Regarde ici là. Ouais, alors on a... nous avons trouvé une fusée de détresse devant une ancienne construction. C'est ce que nous dit le journal. C'est la fameuse fusée qui a été tirée je pense. Et une fois n'est pas coutume, il y en a un qui va devoir partir à droite et l'autre qui va rester comme un glandu. Tu veux faire le glandu ou partir à droite? Oh écoute, pour cette fois je vais partir à droite, on va voir. Tu sous-entends que d'habitude je te laisse faire le glandu? Tout à fait. Alors, ouf, c'est quoi ton symbole au sol? Bah là, moi c'était une étoile et tu m'as activé une espèce de gros rond avec plein de petits ronds qui a fait avancer le pont d'une case. Ok, alors attends, parce que... En fait tu fais... Attends. En fait tu fais apparaître des plateformes qui agrandissent le pont. Du coup là j'en ai une nouvelle qui apparaît avec une lune et je peux avancer. Et là tu viens de... Ah. Je t'ai tué? Bah oui, parce que j'étais sur la plateforme et tu l'as fait descendre, donc du coup je suis mort. Ah, pardon. Notre premier décès. T'es sur la lune? Je suis sur la lune et là j'ai Saturne qui vient d'apparaître avec son anneau. Ok, et tu peux monter dessus? Je peux monter dessus. Et... Ouais, je comprends rien de ce que je fais, je t'assure. Attends, je vais te laisser voir, venir voir, parce que comme ça tu peux montrer aux autres en même temps la vue, mais tu vois que c'est pas simple. Ouais, parce que là t'avais fait apparaître une plateforme avec deux escaliers avec des étoiles, et je suis monté dessus et ça m'a retué du coup. Ok, très bien. Bah après c'est peut-être simple quand tu vas peut-être mieux comprendre, puisque voilà, mais c'est pas clair. Ok, donc là il y a la lune, bah maintenant je suis mort. Pourtant j'ai rien touché hein. Ah ouais. Enfin j'ai touché la plateforme du haut, un bouton qui est visiblement t'a fait apparaître la lune, mais c'est tout quoi. Et ça a disparu tout seul. Ah mais attends, la lumière bouge toute seule on dirait. T'as marché sur quelque chose là?
La lune, et je suis remort. Mais j'ai touché à rien, comment il a pu apparaître? C'est moi qui les déclenche en fait. En arrivant sur le soleil avec les petits points, ça fait sortir la lune. Mais si je monte sur la lune sans que tu l'aies verrouillée, et je ne sais pas comment, elle retombe automatiquement. Alors là, j'ai cliqué sur la lune. Attends, je me rends compte d'un truc. Sur les côtés, il y a des crochets qui accrochent les plateformes ensemble. Et là, le crochet entre le soleil et la lune est vers le haut. Je pense que tant qu'il n'est pas descendu vers le bas, je peux pas monter dessus, sinon elle tombe. Là, il est dans quel état, là? Le crochet est toujours vers le haut. Et là? Pareil. Alors, je sais pas, c'est ça, hein, mais ça me paraît bizarre. Les deux premières marchent bien. Quand t'arrives sur l'étoile, je peux aller sur le soleil sans problème. Et les crochets sont fermés. Je pense que c'est ça, mais là, c'est toujours pas le cas. Si tu veux venir voir, tu peux venir voir, hein, si tu veux vraiment confirmer avec moi, mais je suis quasiment sûr que c'est un truc comme ça. Là, la lune est tombée. Ouais, je testais la manette qui était à côté, mais elle réinitialise en fait, visiblement. Ok. Ok, là j'ai fait remonter la lune. Mais tout à l'heure t'as réussi à monter sur la lune? Ah ouais, tout à l'heure j'ai réussi à monter sur la lune et les crochets étaient descendus. J'ai réussi à aller même jusqu'à Saturne et après jusqu'aux 3 étoiles là. Attends, j'ai arrêté par contre, je vais venir te voir, je vais essayer de revoir ce que j'ai fait. Je vais essayer de retrouver ce que j'ai fait. De mémoire, je crois que j'avais fait ça. Mais je sais plus. Ah, tu peux les bouger, d'accord. C'est peut-être ça alors, du coup. Alors attends, vas-y, retourne-y. Pure. Ok, là, il n'y a plus rien. Hein. Attends, je vais retourner voir. Ok, non, mais là, j'ai lâché les crochets du premier. Il n'y a même plus le soleil du tout. Pour réinitialiser, attends. Donc là, il y a peut-être un indice. Il faut qu'il soit quoi, côte à côte, les trucs? Il faut qu'il y ait un chemin continu, je pense, ou quelque chose comme ça. Alors, je pense que ça les met ensemble. Ah, attends. Attends. Comme ça, là, t'as pas ton chemin, là? Ah, ça y est, j'ai la lune et elle est crochetée. Donc là, je fais venir Saturne. Saturne est crochetée. Ok, là, c'est crocheté avec les étoiles et il y a deux escaliers. Ouais, tu vas trop vite, t'es trop fort. Là, du coup, j'ai des vagues et ils sont crochetés, je suis dessus. Enfin, il y a deux chemins différents, en fait. Là, j'ai à gauche, l'escalier de gauche, ça fait une espèce de deux spirales qui viennent s'épouser, on va dire. Et de l'autre, c'est une comète. Faut recommencer. Et t'as avancé sur un truc ou t'es mort juste comme ça parce que... Je suis monté sur la comète et je suis tombé. Alors je sais pas pourquoi. Attends, on va refaire la lune déjà. C'est bon. Saturne. C'est bon. L'escalier avec les étoiles, c'est bon, alors attends. Et là, celle qui est crochetée, c'est la spirale avec des... la double spirale, là. Attends, je t'ai pas entendu, pardon, je suis monté sur la comète tout à l'heure, elle était pas crochetée, alors que là, la double spirale est crochetée. Ouais, le chemin, c'est vers la double spirale, parce que la comète, je peux pas la lier, alors que la double spirale, je peux. Ok, bah je suis dessus, mais par contre, j'ai rien d'autre qui sort, c'est ça le problème, hein, qui remonte, quoi. Y'a plus rien. Ah, et t'arrives nulle part. C'est ça, je n'ai plus rien. Alors, la double spirale, je peux pas la toucher, donc je vais essayer de désactiver les autres trucs, on va voir si tu meurs, excuse-moi d'avance. Oh mon dieu. Ouh, j'ai sauté au dernier moment parce que j'ai vu qu'elle se barrait. Ah non. J'étais sur les escaliers sont tombés. Alors attends, je vais essayer autre chose. Attends, vas-y, je vais...
Ouais, attends, vas-y, je suis remords, mais c'est pas grave, on va y arriver. Touche plus à rien. Je monte sur le soleil. J'attends que... Non, descends du soleil, parce que je vais le décrocheter. Allez, vas-y, je suis au début. Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, ça vient là. 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 Et ça, ça vient là. Alors là, tu dois pouvoir aller sur le soleil. Attends, pour moi, je vais sur l'étoile là. Non, j'ai que l'étoile, j'ai même pas le soleil. Hein. Ça y est, là j'ai le soleil, je monte dessus. Là j'ai la lune, je monte dessus. Là j'ai Saturne, je monte dessus. Là j'ai les trois étoiles, elles sont pas verrouillées. Ok, donc ça marche pas ce que je pensais faire. Alors vas-y du coup recule parce que je vais devoir déverrouiller des trucs. Je recule. Enfin, j'ai essayé de les réorganiser pour voir si je pouvais pas changer l'ordre, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, je pensais bien à ça aussi, mais... Alors l'étoile, il faudrait qu'elle soit là, l'étoile, vu qu'elle doit avoir deux chemins peut-être. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Toi tu vas aller là. On va passer la comète par là. Tu reviens là. On est d'accord que là t'as pas le soleil hein. Allo Roger? Oui, si je parle sans activer le truc, ça va pas le faire. Non, non, je te confirme, je ne l'ai pas. Alors là, tu dois voir le soleil, il est crocheté. Non, j'ai rien du tout. Ah, ça y est, là je l'ai. Donc j'avance. La lune est crochetée. Saturne est crochetée. Les trois étoiles ne sont pas crochetées. D'accord, donc je pense que je commence à situer un peu le truc. Vas-y, fais demi-tour de nouveau, excuse-moi. Attends, parce que j'avais plus de soleil. Ça y est, c'est bon, je suis retour à l'étoile. Alors, comment on pourrait faire? Il faut qu'il soit lié. Là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que t'as le soleil qui apparaît si tu te mets sur l'étoile? Non, j'ai que l'étoile là. Ok, je vois bien le petit trait qui apparaît pas chez moi. Donc il faut vraiment qu'il soit à 1 de distance. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut avoir... un de distance. Je pourrais amener la lune là, mais ça m'avance à rien. Donc un de distance comme ça. La comète. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais pu marcher sur la spirale, mais qu'il te manquait encore une distance. Est-ce que tu avais un truc qui était apparu à tout hasard? Ben non, en fait, j'avais. Non, non, en face des doubles spirales, j'avais rien qui apparaissait. Et de l'autre, c'était la comète, et j'avais rien qui apparaissait, et la comète n'était pas crochetée. Ok. Il faut. Je pense. J'ai peut-être une idée, attends, je pense qu'il manquait un truc et que la double spirale c'est un piège, donc je vais essayer de la sortir de là et d'amener autre chose. On ça va roule. Essayer de faire un truc comme ça. Toi, tu vas sortir d'ici, tu vas là. Je vais pas pouvoir l'amener ici parce que j'ai plus de place. Pour occuper un peu les viewers. 119 minutes, je vais venir voir ta vue. Hop, hop,
Hop. Toc. Toc. Fais gaffe, après la comète, normalement j'ai plus rien non plus. Ouais, en fait je voudrais amener les deux planètes qui sont tout à droite là. Ah oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que je vais manquer de cases. Je confirme. Après, il suffit de ramener la Lune vers le bas peut-être, de mettre le truc à la place de la Lune, de tout descendre en fait. Alors, si, attends, ce que je peux faire, c'est libérer là. Non, ça marche pas. J'envoie ça là, ça je le mets. Je le range ici, après j'envoie ça ici. Ce qui me permet de faire ça. Toc, toc, toc. Il faut que je récupère ça. Ouais, tu vas être pas mal, je pense. En fait, il va en manquer une parce que j'aurais pas la place de mettre Saturne et les étoiles, quoi. Là, il va falloir que t'amènes la Lune, en fait. Bah non, parce que tu vois, du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Oui. Bah, moi, est-ce que comme ça, ça marche, tu veux que j'aille voir? Là, y a pas de chemin, le chemin se dessine pas. Bah, en fait, le chemin se dessine quand tu marches dessus. Et bouge pas, je vais voir. Ok, bah là j'ai rien qui se passe en tout cas. C'est pas normal, tu devrais au moins avoir le soleil. Bah, j'ai le soleil, j'ai le soleil. J'ai la Lune. J'ai Saturne. J'ai les étoiles. Et du coup, faut que j'aille sur quoi? La comète? Sur l'autre? Bah, j'ai pas de chemin qui apparaît, donc je pense que la comète doit pas être verrouillée du coup. Aucune des deux doit être verrouillée là. C'est ça, aucune des deux n'est verrouillée. C'est tendu, hein? Parce que du coup, là, si je bouge. Alors après, je peux peut-être quand même essayer de déplacer les choses. Reste quand même sur le. Parce que ça a disparu derrière toi là. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a des trucs qui disparaissent et je suis toujours vivant. Hein. Donc ça veut dire que je peux peut-être déplacer des choses. Là t'es sur le... Attends, alors du coup, est-ce que je pourrais déplacer des choses? Sur l'étoile qui est accrochée à Saturne. Qui lui n'est accroché à plus rien. Adieu. Ok. J'ai mouru. Ok, donc il fonctionne par pair. Ce qui pourrait être intéressant. Donc du coup... La Lune... Ah non, je suis mort. Ah bah oui. Là, il va falloir que je refasse tous les trucs, donc va sur rien. Ok. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je les bouge deux par deux pour que tu puisses rester accroché. Il faudrait donc qu'on amène ça par ici. Que je puisse évacuer le soleil. Puis évacuer la lune.
En fait, il va falloir que je les bouge deux par deux dans le concept. Du coup, il faut que je les mette par paire. Ouais, j'avais cru comprendre ça, effectivement. Il est pas simple celui-là non plus, tiens. Donc là, il faut aussi que je ramène celui-là, du coup. Sachant que j'ai pas besoin de ces deux-là, hein. J'en ai besoin d'un seul. Non, ça va pas marcher ça. Reste là-bas, toi. Toc. Ouais, j'avoue qu'ils nous ont concocté des trucs plutôt badass là, niveau énigme. Hein. Toi tu te barres, toi tu te barres, toi tu te barres, toi aussi. Alors, on va essayer de faire venir. Ouais, non, ça marchera pas, il me faudrait mettre toi là-haut. Toc, toc. Hop, juste le temps de mettre ça en voie de garage. Hop. 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 Hop là. Ça va pas le faire. Je monte ça. Ouais, je vais activer le truc, comme ça vous entendrez mes réflexions aussi de ton côté, mais j'essaye de refaire la manip de tout à l'heure, mais cette fois je vais essayer de les mettre par paire. Alors attends, moi j'ai Saturne qui est coincé là, ça va pas. Et s'il faut que j'ai par deux, là je pourrais foutre le soleil. Ensuite, genre tu vas sur la lune ici, je dégage le soleil. Il va falloir que je puisse ramener de chaque côté ici. Parce qu'en plus il faut que ça suive un chemin, c'est-à-dire tu peux pas repartir dans l'autre sens quoi. Quand t'es par deux, c'est par deux quoi. Oui, c'est le problème. En plus, c'est totalement une hypothèse le fait d'avoir les deux planètes à la fin. Ça se trouve, c'est pas du tout ça quoi. T'avais rien du tout après la comète hein, la dernière fois. T'avais du vide encore. Hein. Oui. Comète, bah les deux. Hein, d'ailleurs, les deux. J'ai toujours eu du vide après. Je pouvais monter sur la plateforme de gauche avec les doubles spirales, rester dessus, mais peut-être pour te permettre d'enlever d'autres trucs derrière. Mais après, non. J'ai jamais vu se verrouiller la comète. Ce que je suis en train de me dire, et ça faisait pas apparaître une nouvelle plateforme. Tu pouvais potentiellement passer ou c'était des murets. Non, je pouvais passer, mais après il restait énormément de vide avant d'arriver au bout. Hein. Donc c'est pour ça que je me demande s'il faut pas les déplacer plusieurs fois pour créer un truc quoi. Ouais, donc du coup, effectivement, ça pourrait vouloir dire que du coup, il aurait fallu que j'amène quelque chose pour le recoller. J'aurais peut-être pu amener la comète pour le coller aux deux étoiles. Du coup, ça t'aurait verrouillé la comète, t'aurais pu aller sur la comète. Et là, j'aurais vu que la comète aurait été à cet endroit-là, au croisement, j'aurais peut-être pu amener d'autres trucs. Attends, je vais réinitialiser. C'est peut-être pas aussi compliqué que je pensais, en fait. Alors vas-y, là normalement tu peux aller jusqu'à la spirale sans risque. Allez, c'est parti. La lune, c'est bon. Saturne, c'est bon. Les trois étoiles, c'est bon. Et j'arrive à la spirale qui est effectivement verrouillée. Alors attention, il faut que les trois étoiles derrière moi, si elles bougent, je suis accroché aux trois étoiles. Donc boum badaboum. Il manque, je dirais, une ou deux plateformes maximum. Ça dépend ce qu'il y a derrière.
Je pense qu'il manque que celle des deux planètes et ça passe en fait. Je pense. Ouais, mais le problème c'est que je peux pas l'amener. Par contre, ce que je peux faire c'est amener l'étoile, donc tu vas pouvoir. La comète là, tu vas pouvoir aller sur la comète et après je pourrai amener les deux planètes, je pense. Alors attends, j'essaye. Toi on va te dégager, non, toi on va t'amener là. On va t'amener ici. On va t'amener là. T'amène là. Ok, la comète est verrouillée. Je vais dessus. Ah, là j'ai les deux planètes, mais il me manque... Ok, j'ai la lune, c'est bon. J'ai le soleil. Va pas dessus, va pas dessus. Le soleil, j'ai le soleil devant, mais il est pas verrouillé. Si je saute dessus, je tombe. Ok, d'accord. Donc du coup, retourne sur les étoiles. Attends, est-ce que je peux... Attends, Ouais, c'est bon, j'ai pu revenir en arrière. Ok, alors je vais faire en sorte d'amener le soleil jusqu'à la lune, bouge pas. Toc, 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 toc. Hop, hop. J'y suis presque. Ensuite la lune. Les deux planètes. Vas-y, normalement le chemin est safe jusqu'au soleil. Et on est bon, ça y est, je suis passé. Parfait, alors maintenant la question est, qu'est-ce que je fous moi ? Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de me demander, du coup. Attends, je découvre, parce que j'ai enfin des choses à voir. Bah, c'est bon. J'ai eu le temps de mourir une fois, parce que je me suis dit, je vais m'avancer sur la première plateforme, elle était pas verrouillée, et j'ai cru que, du coup, on allait recommencer de zéro, quoi. Mais c'est bon. Eh ben c'est le GG. Roger, tu m'entends? Je ne te vois plus. Ah, tu es là. Non, oui, bah, j'ai encore oublié. Je te disais, ouais, alors du coup, en t'ouvrant la porte, enfin, en t'ouvrant le chemin, ça m'a bloqué en haut de la tour. Et tu ne peux pas y accéder, du coup, ça a fermé l'accès en haut. Je suis enfermé, je ne peux que rentrer dans la tour. Bah écoute, j'ai une porte qui va vers la tour, donc je vais voir si elle fonctionne. Alors je sais pas si tu m'entends, mais je suis rentré dans la tour. Allô Roger ? Ouais, pardon, je suis rentré à l'intérieur de la tour. J'ai un écran noir avec trois petits points de chargement. Ça y est, je suis rentré à l'intérieur. Oh non, il y a un rire machiavélique. Ouais, je l'ai eu aussi, ouais. Et au sol, c'est l'enfer. Je pense qu'on va arrêter cet épisode-là, et puis on va pouvoir faire la prochaine énigme gentiment ensemble. Ouais, on va faire ça tranquillement, ça me va très bien. Je te laisse conclure. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, comme vous l'aurez compris. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, aller voir la vue d'Amned sur la chaîne de 119 minutes, et on se dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde, à bientôt.